Au cœur de Lyon, en Bourgogne, ils sont à peu près 1 million par an à entreprendre l'ascension de la colline éternelle pour voir de plus près celle qui rayonne de si loin, la basilique de Vézelay. Je vous emmène sur la route des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, venus du nord de l'Europe. Une balade entre vignobles et vallées qui démarre en forêt à quelques kilomètres de là. Disons des longues notes, un peu plus de... Des bons galops ? Bonjour, bonjour. Bonjour. Je viens vous interrompre en pleine répétition. Ben oui, aujourd'hui c'était un petit peu le thème, on règle le côté musical. Christophe, c'est quoi le principe de cette tournée ? Ouais, le principe de cette tournée, et puis surtout de notre troupe, c'est de faire de l'itinérance, mais au rythme des chevaux. Nos déplacements, on les fait les plus visibles possibles. Mmh. On essaie de traverser les villages, les villes, et de retrouver un petit peu cette ambiance où les gens voient le cirque arriver, ont le temps de le voir arriver, de nous rencontrer. Et pour moi, en tout cas, c'est la seule forme de spectacle que j'envisage. Mais pour moi. L'idée, c'est que ce soit les mêmes chevaux qui tirent les roulottes, qui font le spectacle. Et donc c'est un gros travail pour essayer d'avoir des chevaux le plus polyvalents possible. Donc là, il reste quelques petits repérages de route avec la roulotte. Tu veux bien m'emmener un petit bout dans ma balade dans le secteur ? Ah ben, pas de souci. C'est donc au rythme de Touraine et Lambada que mon périple commence. Direction la colline éternelle et sa basilique. La troupe me dépose porte neuve, comme les pèlerins de l'époque. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui fait que cette basilique elle est toujours aussi fréquentée depuis des siècles ? Vézelay est un lieu de pèlerinage depuis environ un millénaire. Pèlerinage vers Rome, vers Jérusalem et vers Saint-Jacques de Compostelle. Et c'est aussi un but de pèlerinage. On vient ici pour honorer celle à laquelle cette église a été consacrée en 1050, donc il y a bientôt 1000 ans, Marie de Magdala. Elle attire des visiteurs de toute nature, croyants, non-croyants. Et tout commence ici, à cet endroit ? Tout commence dans cet espace, qu'on appelle le plus souvent narthex, où l'on passe de l'ombre à la lumière. Et voilà dans la lumière, dans le chemin de lumière, il faut bien comprendre que pour les pèlerins, il s'agit de montrer le chemin de sa progression vers l'Orient. En ce moment, on est au meilleur moment de l'année, le solstice d'été. Au moment du solstice d'été, c'est l'apogée du phénomène. La lumière vient des fenêtres hautes et vient frapper le sol de la nef. En son centre, 9 taches lumineuses, au moins, sont visibles sur le sol. Ça signifie que l'église de Vézelay, aujourd'hui la basilique, a été conçue comme un gigantesque cadran solaire. Parfaitement orienté, à moins que tout ceci ne soit le fruit du hasard. Le produit du hasard. En rejoignant l'autre versant de la colline, on retrouve les vignes. Rattachées depuis leur origine à l'abbaye, elles ont bien failli disparaître au 19e siècle. Bonjour, bonjour. Bonjour. Waouh, je suis accueillie dans la plus jolie des parcelles avec vue sur la basilique. On est à un beau point de vue ici, oui. Le vignoble, ça fait partie de Vézelay et des alentours, en fait.
Ah oui, ça fait complètement partie de l'histoire de Vézelay. Le vignoble de Vézelay, il a été planté il y a 2000 ans, comme plein de vignobles en France. Il avait disparu après le phylloxéra. Et puis, depuis la fin des années 70, le vignoble renaît. On a une AOP depuis 2017. Alors, c'est vrai que c'est moins connu que d'autres vignobles. Chablis, c'est plus de 6000 hectares de vignes. Ouais. Aujourd'hui, Vézelay, c'est 120. Évidemment, c'est beaucoup plus petit. On est vraiment isolé géographiquement. On est le vignoble de Bourgogne le plus proche du Morvan, cette grande forêt qui nous apporte de la fraîcheur et de l'humidité. Et ça va donner un chardonnay avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de fruits. Il n'y a que du blanc ? Oui, l'AOP est réservée au chardonnay, donc du blanc bien sûr. Il y a un petit peu de pinot noir planté à Vézelay, mais il est vinifié sous l'appellation Bourgogne. Impossible de faire un tour à la basilique sans descendre dans le vignoble. Ça serait dommage de ne pas profiter de venir à Vézelay pour découvrir les vins. Et les domaines et les caves sont là, sont grand ouverts pour accueillir les visiteurs. Impossible de remonter vers le nord du département sans vous emmener dans ma forêt préférée, celle des géants verts. Merci. Je vous abandonne là. Bonne continuation et bonne tournée. Un couple d'artistes y a installé son atelier à ciel ouvert. Normal lorsque l'on pratique le land art. J'aime m'y balader chaque été, croiser dans ce bestiaire fantastique Alain au détour d'un chemin, parler de ses dromadaires qui migrent à cause de la canicule, ou encore Marie-Laure et ses oiseaux qui sèment des plumes géantes aux quatre coins des bois. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Ancilfranc, dans un autre endroit magique. Plutôt connu pour son château, on connaît bien moins l'ancien moulin devenu restaurant, où l'on vient bien plus que pour déjeuner. Bonjour Amélie. Bonjour Christophe. Comment va ? Bien. Alors cette exposition, d'autres regards ici dans un parc, c'est quoi le concept ? Ce projet est né de Jean-Christophe Bisse, qui est le fondateur de Les Hôtes de Ravière, dit Les Brousses, et qui a une façon d'appréhender le monde du handicap, le petit truc en plus, d'une façon extrêmement empathique. Ils vous ont adopté ? Ça a été facile ? Ça a été infiniment plus facile que quand je photographie des gens dits normaux. Les choses sont sorties beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus vraie, en fait. Et ce travail qui était finalement un travail d'album de famille, a fini par devenir une espèce de réflexion sur ce que c'est que la normalité, qui est normal, qui ne l'est pas. On va les retrouver à table. Avec grand plaisir. Allez. Jean-Christophe, c'est un restaurant un peu particulier ici. Tout à fait. Nous allons être servis par nos travailleurs de l'ESAT, qui sont en formation depuis bientôt 4-5 ans. C'est un lieu magique où les gens aiment bien et nos usagers ont plaisir à venir travailler ici. Et pour qui la salade ? Oh, c'est pour moi. Pour Amélie. Pour Amélie, voilà. Exactement. Merci Alexandre. De rien. Bon appétit. Merci. Alexandre, pourquoi est-ce qu'il faut venir à la Botica ? C'est un bon endroit accueillant, il y a un beau parc, et on fait des fois des concerts. Et les clients, ils sont sympas ici ? Après, ça dépend des clients. Il y en a, oui, mais t'en as qui sont pas vraiment sympas. Et tu leur dis ? Ben, comme les quatre petits vieux la dernière fois, je leur ai dit je suis pas leur clébard. Quand ils m'ont dit « eh oh !» Ben, merci, Alexandre. Ben, de rien. Bon, vous avez vu pourquoi il faut venir ici à la Botica ? Forcément, c'était nécessaire. Et ça, c'est qu'en Bourgogne ?